Québec s'éveille. L'écho de la cloche matinale anime les cloîtres, trotte dans les rues anciennes, grimpe les escaliers avec les vieilles et lance le cri du matin. Sur l'extrême sommet du rocher, voilà que s'esquisse un des petits drames de tous les jours. Comprenez les oiseaux. Tu vas finir par la perdre ta job si tu continues à venir en charge. Joe, m'as-tu compris? Ça fait assez de temps que je te le dis. Tu m'entends? Ah, correct, correct. Oh, monsieur de Montigny est rentier. Il n'a plus besoin de gagner sa vie. Oh, plus pas en peine. Si je perds ma job, je m'engage au fier bateau. Comme mon oncle Nazaire. Je reviendrai plus jamais, comme lui. Tu me fais rire, toi, avec ton oncle Nazaire. Chaque fois qu'on va en chaloupe, t'as le mal de mer. En tout cas, je t'avertis que je t'endurerai pas à traîner dans la maison si t'es chômeur. Et tes oiseaux, là, hein? Ben, je vais les jeter dehors. J'en ai assez des ententes jacassées. Bon, ben, je me dépêche, moi aussi. J'ai invité au mariage de la petite Pomerleau, puis je ne voudrais pas arriver en retard. Bon, je te dis que ça va être chic. À marier un gars de la garde Champlain, toute la fanfare va être là. Et puis je te dis que... Joe! Salut, Joe! Pas l'étendre aux oiseaux à ma tête? Ah oui, mon vieux. Si j'étais resté 2 minutes de plus, je te prenais le plus beau chadronnet. Ah, si c'était pas de cette manufacture de chaussures. Quand on est pompier, plutôt, c'était une job à l'année, avec beaucoup de congés, puis presque pas de feu. Des pompiers comme toi, ça se fait pas maigrir à l'ouvrage. Tu comprends? Je suis trop gros pour monter les échelles. C'est moi qui tiens le boyau. C'est lui qui grimpe. Joe! Comment? T'es pas encore parti? Oh, j'ai le temps, mais... À part de ça, moi puis le patron, là. Et dans le mois de mai, le 6, 4 minutes de retard. Le 9, 7 minutes. Le 10, 8 minutes. Le 13, 23 minutes. Le 25, 3 minutes. Le 29, 12 minutes. Le 30, 27 minutes. Je regrette, monsieur, mais j'ai reçu instruction de vous convaincre. J'ai fait ce que j'ai pu, mon pauvre Joe. Tu comprends? C'est pas moi qui ai le boss ici. Inquiétez-vous pas de moi. Je suis pas en peine de me trouver une job.
L'avocat de Montigny? C'est mon cousin. L'avocat de Montigny, ça se dit bien. Quand il va voir apprendre ça. Mes oiseaux. Si je fais la quai des jeunes dehors, faudra bien que je me trouve une job aujourd'hui. Turbine, je l'ai. Je rends pompier. Tiens. Bonjour, mon Joe. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu n'es pas à l'ouvrage? J'ai perdu ma job un matin, puis je sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être est-ce un bienfait de la Providence. Tu sais qu'elle éprouve souvent ce qu'elle aime. Voyons, voyons, mon Joe, raconte-moi ça, hein? C'est la faute aux oiseaux, monsieur. Hein? Garde Champlain, arme en main, portez, arme. Vous t'assiez, croisez, arme. Rangez en arrière. Un peu de ce côté-là. Mettez-vous en avant, là. Ne grouillez pas, ne grouillez pas. On va prendre un autre, ce sera pas long. J'essaie de m'engager dans les pompiers. J'ai pas d'influence. Évidemment, il y a le maire. Mais je ne le connais pas très, très bien. Mais j'y pense. Il y aurait peut-être... Monseigneur Dubois au séminaire? On les voit souvent ensemble. De Montigny, mais t'es pas un peu parent avec l'avocat de Montigny, toi? C'est mon cousin. J'ai bien pensé de le voir, mais ça me gêne. Tiens, si on l'appelait, on ne sait jamais. Ton cousin est un personnage qui a beaucoup d'influence à Québec. Parle-lui, voyons, c'est pas gênant. Ici la résidence de Monsieur de Montigny. Monsieur de Montigny est-il là, s'il vous plaît? De la part de qui? Ah, il est pas là, hein? Non, j'ai dit de la part de qui? Je demande votre nom. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Monsieur Paul, qui l'appelle, s'il vous plaît? Ah, j'y parlerai une autre fois. Oui, plus tard. Il n'est pas là. Ah, c'est dommage. En attendant, je vais t'écrire une lettre pour Monseigneur Dubois. Que vous commencez à l'heure des messieurs. D'abord. À l'hôtel de ville, c'est comme ça. Vous l'avez dit, monsieur Pérus. Vous êtes chanceux, vous. Vous devez avoir de l'influence, vous, à l'hôtel de ville. Le maire? C'est mon ami intime. Ouais. Et puis, les échevins viennent souvent me demander des conseils. Ouais. Et toutes les demandes d'emploi passent par moi. Ouais. Ça donne bien. Vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche à rentrer pompier, moi. Pompier? Vous tombez mal. Tous les cadres sont remplis en ce moment. Venez me voir dans quelques semaines. On verra.
Dubois, il est ici. Monseigneur Dubois, il est parti pour Rome hier. Gentlemen, you can get a picturesque view of the St. Lawrence, the Chateau Frontenac, and also the Bastion du Roi. Hey, mister, is that where the king lives? You stupid mummy, you know the king lives in Ottawa? Joe! Hey, Joe! Qu'est-ce que tu fais ici? T'as bien l'air triste. Parle-moi-en pas, j'ai perdu ma job un matin. Tu me dis pas. J'avais des idées pour augmenter la production de la chaussure. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Quand j'ai vu ça, j'ai démissionné. C'est bien beau, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je voulais rentrer pompier. Seulement, c'est pas facile. Faut voir des évêques, des échevins, puis faut téléphoner. Si seulement j'avais les bonnes influences. Voyons, Joe, t'en fais pas. Tiens. Viens donc dîner chez nous à 1 heure. Je crois que papa peut t'arranger ça. Entre cousins, faut bien se rendre service. Bon, tu m'excuseras, mais tu risques. N'oublie pas, à 1 heure. Certain que je ne l'oublierai pas. Je serai là à 1 heure. J'aurais une petite nouvelle à t'annoncer. Ouais? Joe de Montigny a été renvoyé un matin. Non, tu me dis pas? Oh, ben, cette pauvre Eva, je l'appelais. Il faudrait peut-être que j'aille la voir. Aïe, aïe, va pas y dire. Les affaires des autres, ça nous regarde pas. Coudon, toi, me prends-tu pour une placoteuse? Tu peux être certain que ça n'ira pas plus loin. Tiens, c'est lui. Berthe a pu trouver une situation plus vite. Lady O'Connor sera ici à 2 heures. Allô, Joe. Allô, Paul. Entre, Joe. Tout le monde t'attend. Tu la visiteras, hein? Tu connais mon père? Ma mère? Bonjour, Joseph. Bonjour, Joseph. C'est une de mes peintures. C'est l'ego dominant le libido. C'est-tu un gars que tu connais? Tu vois, Paul, personne ne la comprend, ta peinture moderne. Moi, je ne connais rien à la peinture. Mais je sais ce que j'aime. Ton père a raison, Paul. Pourquoi ne peins-tu pas
de beaux couchers de soleil. Ou des boutons au crépuscule, des voiliers au clair de lune, ou de beaux nus. Albert. Il paraît que vous voulez devenir pompier, Joseph. Ben oui. Imagine-toi, ma chère, qui a perdu sa job à matin. Ouais, je pense qu'il a insulté le grand boss. Écoute, Juliette, faut pas le dire à Eva. Voyons donc, Maria, tu sais bien que je suis capable de garder le secret. OK, d'abord, bonjour. Il est rentré dans le bureau du grand boss. Non. Oui, puis il a acheté une poignée de bêtises par la tête. Qu'il surintendant des couleurs de lettres ici. Je vous avais pourtant dit de venir me voir plus tard, vous. Pas toi que je suis venu voir, c'est ton chef, excuse-moi. Joe de Montigny. Ah oui. Entrez, monsieur, le patron vous attend. Entrez, monsieur. Bonjour, monsieur Wallard. Bonjour, monsieur de Montigny. Et non, vous asseoir. Et bon, savais-tu que... Ben, ça m'a l'air que tu le sais déjà. Mon Dieu, pauvre Joe, en prison. Au revoir, monsieur de Montigny. Au revoir, monsieur Wallard. Bonne chance. Joe de Montigny, pompier. Puis, votre examen médical? Une affaire de rien. M'en va chez le docteur. Une affaire de rien. Il y en a bien d'autres qui l'ont dit avant lui. Et moi, si j'ai tatoué, j'irai au poste de police tout de suite. Oui, oui, je te conseille ça. Moi, je fais la même chose. Ben, vous voyez donc ça, Eva. Vas-y, vas-y. Ben, c'est ça, j'y vais tout de suite. Ah, on entend, Eva. J'ai perdu ma job. Es-tu fou? Comment ça? Faut te compter ça. Mais pompier à Québec, ça m'a l'air dangereux en maudit. Pompier? T'es fou? Rentons dans la police. Tiens, j'ai un ami à l'hôtel de ville qui a beaucoup d'influence. Tu dois le connaître.
Qui, ça? Assez de russe. C'est pas le temps de faire des farces, Eugène. Si tu veux rire de moi, dis-les. Oh, je t'anniche ta maudite. Vous me reverrez plus jamais à la face à Québec. Je vais m'engager à bord les bateaux, puis vous viendrez me chercher en Afrique. Hey, qu'est-ce qu'il y prend? Tu n'es pas sérieux, toujours? Arrêté. Il s'est pas battu avec une police, toujours. Joe se bat avec une police? Riez pas, c'est pas drôle. Ben, il était en prison, oui ou non? Je veux le savoir. Voyons donc, Eva. Cherche pas Joe en prison. Je viens d'y parler il y a pas longtemps. Comment tu l'as vu? Où ça? Il partait s'engager sur les bateaux, tu m'as dit. Joe partir en mer. Mon Dieu! Comme son oncle Nazaire. Qui avait l'air sérieux, puis découragé. Il est bien capable de faire ça. Écoute, Eugène, écoute-moi bien. Il faut l'empêcher de partir. Peux-tu m'aider? Ben, ça tombe bien. J'ai justement fini mon corps. Bon, ben, vite, là, dépêchons-nous. Vite. Hey, salut, Alphonse. Salut, Eugène. Avec une boîte à linge? Oui, 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 c'est lui. Vous l'avez vu? Oui. Où est-ce qu'il est passé? Sur le bateau. Dépêche-toi, allons-y. Thank you.
Joe, il est parti. Oh, Dieu. Voyons, Eva. Hey, salut, Eva. Salut, Jean. Tu t'as broyé dans Eva? Joe, il m'a laissé. Il est parti sur le bateau, là. Joe, j'ai justement de le rencontrer, là. Attends que tu le vois, Eva. Il est assez beau, tu t'es mis en matelot. En matelot? En matelot? Au quai du roi. Dépêchez-vous, il part, là.